Gauthier, bonjour. Bonjour. Ben, on est content de te revoir. Tu as manqué le match de Bichagne en Coupe de France. Comment tu es? Comment ça va? Ben déjà, merci de me recevoir chez toi. Il y a de l'espace, il fait bon. Après, à Bichagne, j'ai pas joué, j'avais une petite tension au genou, donc j'ai préféré faire l'impasse de ce match pour être en forme pour Carquefou. C'est pas forcément le tournant de la saison, mais c'est vrai que les points commencent un peu à faire défaut. Maintenant, faut qu'on reste sur la bonne dynamique qu'on a depuis le début de la saison à domicile. Et dans tous les cas, pour nous, tous les points vont compter. Il y a toujours deux manières de regarder les choses. La première, de se dire que l'équipe a pu gagner depuis 5 matchs et qu'il reste sur deux matchs à domicile. Et l'autre, qui veut dire que depuis un mois, vous êtes quand même invaincu, vous revenez d'un nul à Amiens. On peut penser quand même que l'élan est positif. Oui, c'est vrai qu'au vu des matchs qu'on fait depuis quelques journées, je trouve qu'il y a quand même du mieux. Alors après, tout n'est pas parfait et ne le sera sûrement jamais. Maintenant, il faut qu'on arrive à s'accrocher à des références que l'on peut avoir, comme le bon match nul qu'on a pris à Amiens, alors qu'on aurait pu presque que gagner le match. Et faut trouver des moteurs pour pouvoir continuer d'avancer et d'améliorer ce qui ne va pas. Je pense que toutes les équipes ont des cycles et que peut-être que le nôtre en ce moment est un peu moins favorable, mais ce que je vois, c'est qu'on continue de s'accrocher et qu'on continue de travailler. Et je pense que c'est positif. On pourrait aussi s'écrouler et se dire que voilà, c'est déjà terminé à 10 journées et c'est pas ce qu'on fait. Je pense qu'on continue de bosser et qu'on donne tout à chaque match et c'est le principal. Est-ce que tu t'attendais à un championnat de national aussi difficile, aussi compact? Ouais, bon, on voit depuis plusieurs années qu'il y a pas mal de bons joueurs qui redescendent dans les catégories inférieures toute la saison. Moi, je côtoie des joueurs que j'ai côtoyés déjà en Ligue 2 il y a 4 ou 5 ans. Donc ça prouve que le championnat est assez relevé. Et puis, comme tu le dis, c'est compact. Dans tous les championnats, on voit que tout le monde peut battre tout le monde. Et c'est aussi ce qui fait l'attractivité des championnats en France. On a vu lors du dernier match à domicile contre l'Uznac, quand vous étiez mené, que le public avait été formidable, presque inattendu, parce qu'on n'a pas toujours vu ça à Strasbourg non plus. Qu'est-ce que ça influe sur vous? C'est vrai que c'est exceptionnel, l'engouement qu'il y a ici, c'est rare en France et ça peut que nous apporter des ondes positives pendant le match. Et voilà, je pense que les gens, depuis qu'on est redescendu aussi bas dans des championnats français, ont compris que voilà, nous, on n'est pas là pour tricher et qu'on donne tout. Et je pense qu'on a su influer une image plus que positive du club qui avait beaucoup souffert les années précédentes. Et j'espère que les gens, en venant voir un match ici, pensent qu'on n'est pas là pour rien et on se bat pour ramener le club le plus haut possible. Donc c'est vrai que pour nous, voir autant de monde à domicile comme à l'extérieur, c'est exceptionnel. Sur un plan personnel, tu réalises de la vie de tout le monde et des supporters. On peut le lire sur les sites, nos internautes le disent. Un très très bon début de saison. On connaît ta polyvalence. Tu peux jouer à plusieurs postes. Est-ce que c'est là que tu te sens le plus à l'aise ou tu as commencé comme attaquant? Je sais pas si c'est à ce poste que je me sens le plus à l'aise. Moi, à chaque fois que je monte sur le terrain, c'est pour le donner le maximum. Mais par rapport au début de saison, voilà, j'essaie de donner le max. Après, bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. En début de saison, je pensais pas reprendre à ce poste-là. Je fais entre guillemets l'intérim de Pacho qui est blessé, qui a une blessure de longue temps. Donc je veux dire, je suis là pour donner le maximum, que ce soit ailier ou défenseur. J'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même. Est-ce que le fait que tu aies été un attaquant explique tes montées, le fait que tu sois aussi présent sur le plan offensif? Bien sûr, je pense que oui. J'ai ce plus-là maintenant, étant surtout ailier de formation.
voilà, ça me porte un petit peu plus préjudice au niveau défensif, mais voilà, ça se passe plutôt bien. J'essaye d'être le plus appliqué possible et le plus concentré. Et jusqu'à présent, ça se passe bien. Donc voilà, tout va bien pour moi. Côté une dernière question qu'on m'a posée, je n'avais pas la réponse. La dernière fois que tu as été chronométré sur 100 mètres, tu avais fait combien ? Pardon ? La dernière fois que tu as été chronométré sur 100 mètres, tu avais fait combien ? Je sais pas, j'ai jamais fait de 100 mètres, mais je sais pas. Je pense qu'il a pas eu le temps de déclencher le chrono, que j'étais déjà arrivé. Merci beaucoup, Gauthier. Merci à toi.